Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la troisième vidéo sur Haunted Memories qui j'espère va se passer des trucs dedans quoi. Bon faites pas attention, j'ai les cheveux comme ça, c'est normal. Voilà, voilà la tête que j'ai quand je mets pas de bonnet. Je voulais vous montrer un peu. Alors, et bah c'est parti hein. Qu'est-ce que j'attends? Oh putain, j'aurais dû... Le jeu a planté. J'aurais dû load avant de lancer mon truc. C'est pas grave. J'affectionne beaucoup ce menu en fait. Je sais pas pourquoi, la musique est très très belle. J'aime beaucoup les musiques comme ça, très... Très... comment dire? Qui transporte plein d'émotions quoi. Non, elle est vraiment très très jolie. Ça fait un peu musique d'antan en plus. J'aime bien. C'est beau. Et charge. Ah, c'est quoi ces crépitements verts là? C'est... Oula. Alors, on a des piles ici. On a une clé. Ce serait un peu con que je loupe ça encore une fois comme dès le début. Putain, mon son est super fort. Au secours. Alors, là il y a une petite note. Merde, j'aurais... Est-ce que c'est vraiment sérieux? Attendez, je vais allumer pour qu'on la voit mieux, hein. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Qui a dessiné un phallus ici, quoi? C'est marqué quoi? Cher Chuck? J'arrive pas du tout à lire ce qui est marqué. Et là, c'est marqué avec du sang. C'est génial, on a une... Enfin bref, vous avez compris. Alors... Ah, c'est chiant ce bruit. Je... Voilà. Run away from home. Oh, yeah. This can hope after my children. Ouais, c'est vraiment important. J'ai la flemme de traduire. Bon. Et à part des bits dessinés sur des murs, il y a autre chose. Voilà, je l'ai dit. Débile. Bon, laisse-moi passer. Oh! Tonneau! Enlève-toi tout de suite d'ici! Laisse-moi passer, bordel de merde! Dégage. Dégage, je te hais. Mais je vais où, là? Ah! Arrêtez avec ce petit bruit, là! Ça m'irrite le tympan. Ah! Attendez, je me prépare parce que ça pue un peu du cul, quand même, cette histoire-là. C'est bizarre parce qu'on voit même pas la texture des murs avec tous ces effets, c'est super chelou. Succès déverrouillé! Rah! C'est génial. Qu'est-ce que... Je ramasse encore des notes. The guards have found a small group of local media reporters snooping around. I have ordered them captured and to be prepared for adaptation. Should prove useful. I insist, all unauthorized guests are dealt with the same punishment from now on. J'ai rien compris à ce que t'as dit, mais c'est pas grave. Non, mais regardez ça. On dirait que... Attendez. Ah non, j'ai cru que je pouvais passer à travers les murs. Regardez, il y a pas de texture, c'est ignoble. Ah, je suis désolée, mais alors là, franchement, c'est vraiment moche, hein. Bon, bref. Ah, déjà que je suis gentil de continuer. Hein. Laissez-moi critiquer un petit peu, s'il vous plaît. On dirait un faux mur. Ou alors, c'est juste que c'est encore moche. Je sais pas. Bon, sortons d'ici. J'ai une clé. Il me disait go home, mais ouais. J'avais quoi, dans une cabane ou... Je sais pas quoi. Bah, attendez, je sors par où, là? Pardon? Je... Ah, mon Dieu, je vois à travers le mur! Non, c'est moche! Est-ce que quelqu'un peut me dire par d'où je viens? Par d'où je viens, s'il vous plaît? J'aimerais sortir d'ici. C'est quoi ce bordel? Est-ce que le jeu a bugué ou... Mais regardez, c'est trop bizarre, quoi. C'est...
Ce mur, il a rien à foutre avec les autres murs. Ce que je fais, je retourne là. Attendez, je cours un peu, hein, parce que c'est vrai que c'est long. Je vous préviens, si le jeu... Je fais des FPS. Si le jeu bug, je vous préviens, je ne continue pas. Parce que ça va me saouler. attendez. Est-ce que... Ah ouais, non, c'était la note qu'il y a sur la clé. Ouais, mais je m'en fous. Comment je sors d'ici, s'il vous plaît? Ah, je ne saisis pas bien. Ah! Attendez, ça serait pas par là? Ah, bordel, je crois que j'ai trouvé la sortie. Wouh! Enfin, ou pas, hein, parce que... Attendez, mais je suis où, là? Ah, est-ce que je peux ramasser ça? Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette musique de malade? C'est moi, ça, ou... Ah, mes yeux brûlent! C'était quoi? C'est Slender ou c'est... Oh, quoi? Pardon? Il vient de se passer quoi là? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Putain mais... Il y avait Slender avec une espèce de créature trop chelou. Ah ouais, faudra m'expliquer, alors ça, c'est extrêmement frustrant d'avoir un game over alors que les bestioles nous ont même pas touché, quoi. C'est extrêmement frustrant. Enfin, peut-être que je m'enfuis en courant, mais où? Oh, bordel, il faut tout que je recommence. Oh, ce papier cache une bite. Oui, je sais, merci. Et je vois un corps à travers le mur. Même les effets lumineux sont buggés, enfin, c'est bizarre. Attends, mon jeu est pas fluide du tout, là, je sais pas ce qui se passe. Alors, prends la clé. Arrête de faire le salut nazi, prends la clé. Les piles. On va re-sauvegarder. Comme ça, j'aurais pas besoin de recommencer. C'est vrai que c'est un peu relou, mais presque. J'étais sorti par où? Par là. Je pense qu'on va essayer, hein, juste courir dans l'autre sens. Hein. On va bien essayer de se mettre comme ça. Oui, eux. Ah. Bon. Deuxième tentative. Ah ouais, d'accord. C'est quoi, c'est un truc qui lui sort du cul? Non. Cours! Cours, cours, cours! Putain, mais... C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Pousse-toi! Je suis coincé par un baril. Je sais pas pourquoi je crois que je vais mourir, je sais pas pourquoi je repasse par là. Est-ce que je pourrais pas péter ce mur? Ah, Tiki ne tente rien à rien, moi je dis. Hein. Est-ce que... Attendez, est-ce que je peux équiper ça? Équipe. Yeah! Oh, c'est trop bien. Est-ce que je peux tataner la gueule au Slender? Attention, j'ai un pied de biche! Je crois par contre ça c'est vraiment nouveau d'avoir une arme entre guillemets dans Slender quoi. Je crois que je vais mourir très prochainement. Putain mais... Mon écran saute! Insupportable. Est-ce que je peux taper ça là? Regardez, ça a l'air trop bizarre. Mais putain mais... De... Pareil de merde, mais... Casse-toi! Tape! Ah d'accord, ça fait rien du tout. Je sens que je vais crever. Hein. On va retourner faire une sauvegarde rapidement. Hop. Ça, j'aurais pas besoin de recommencer. J'ai un peu les boules de repasser par là. Ça pète rien du tout. Merde! Putain.
Quelle idée de mettre Slender dans un endroit aussi petit. Tiens, je te tape. Oh, je peux le tuer. C'est ça. Ça ressemble à rien, ce truc. Vas-y, crève. 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 Yeah. C'était ça qu'il fallait faire. C'est génial. Ouais, je suis sorti. Bon, j'aurais dû retourner sauvegarder, mais bon. Bon, je vais où maintenant? Ah, je garde mon pied de biche. Est-ce que je peux tuer Slender avec? Oui, eux? Oui? Oui, eux? Allô? Oh mon dieu, ce jeu! Au secours! Qu'est-ce qui se passe encore? Je comprends rien et je vois rien du tout. Quoi? What the fuck? Qu'est-ce que je fous là? C'est un bug ou c'est normal? What the fuck? What the fuck? Ouais. Pourquoi je suis de retour ici? Je vais re-sauvegarder du coup, hein. Ça mange pas de pain. Allez, tiens, bim. Gratuit. Bordel, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais... mais putain, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Putain, si le truc pouvait arrêter de me téléporter, ça serait... Putain, mais pourquoi je reviens à chaque fois là, quoi? Tous les coups, il y a un truc que j'oublie de faire. Le jeu essaye de me faire comprendre que je vais pas dans la bonne direction. Mais alors là, je pige pas. Hein. C'est quoi ça, là? C'est moche et je passe à travers. J'en ai marre. Bordel, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pige pas. Hein. Je sens trop que si j'essaye de ressortir, ça va encore me ramener ici. Tiens, moi je tape dans des barils explosifs. Ouais. Bah je ressors, hein, on re-essaye. Hein. Non, me téléporte pas. En fait, je crois que le jeu a bugué. Hein. Je crois que c'est un truc qui était censé s'afficher juste après que j'ai tué le monstre. Et... oula, oh putain. Ça a lagué. Et qui maintenant s'affiche toutes les 30 secondes. Tout va bien. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Et le plus vite possible. Ce jeu, c'est n'importe quoi. Au secours. Je... hein, voilà. Je vous préviens, hein. Le quatrième épisode, là, il est encore moins sûr qu'avant. Hein. Est-ce que je peux aller... en haut? Ouais, moi, je vais aller en haut. Voilà. Parce que, de toute façon, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, comme d'hab. Donc, on va se promener. Pas trop longtemps. Je ferai pas un épisode encore de 45 minutes comme la dernière fois, parce qu'au montage, j'étais assez relou. D'avoir transformé un épisode de... il est où? Je le vois même pas. De 45 minutes en 20 minutes, c'était un peu chiant. Ah, il va recommencer à me faire chier, quoi. Le jeu qui fait pas peur. Où il y a des phallus dessinés partout. Qui bug. Où on voit rien. Et qui est super relou. Voilà. Ah, mais je vais peut-être pouvoir tataner la porte avec ça, non? Attendez, si ça ouvre pas la porte, moi je sais pas quoi faire. Hein. Il y a encore un monstre. Tiens, 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 tiens. Prends un coup de tatane dans la gueule. C'est Silent Hill. Mais en pourri. Ah merde, il y a Slender, putain. Dégage. Mais non, mais va chier, regardez-le. Il a pas l'air crétin comme ça. Ah, moi je bouge, je vais être en tranquille.
Ah, t'as l'air fortement... Eh merde, fortement crétin comme ça. Allez, mais putain... Enfin, ça me fait plus rire, là, c'est super relou. Je peux pas avancer deux pas sans qu'il me bloque le passage, quoi. C'est bon, t'es parti? Ah... Ça ressemble à rien, ces créatures. Bon, grimpe. Qu'est-ce que tu fais? Mais grimpe, bordel. Alors, voyons voir si on va pouvoir aller ici, maintenant. Et avance! Dieu! Ah bah, c'est magiquement ouvert, maintenant. What the fuck? Ok, bon bah, écoutez, hein. Tant mieux, hein. The Hill! Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi mon écran tremble? Stop! Et là, je peux descendre, mais on verra ça après. Le bruit du vent est super chiant. On va monter ici. Montons! Putain, s'il arrive là, Slender, il va me saouler. Hein. Allez, tu veux pas y aller un peu plus vite? Oui! Le faire. Allez. Oh mon Dieu. Ça fait déjà 3 minutes que je monte. C'est long, 3 minutes. Allez. S'il vous plaît. Ah, je crois que je suis arrivé en haut. Eh bah putain. Tout ça pour une putain de sauvegarde. C'est de la merde. Oh là là! Putain, non! Fait chier, c'est quoi ça? Une vieille note? Oh bah tiens, je suis contente. C'est génial. C'est peut-être l'endroit que je dois trouver. J'en sais rien, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on redescend! Bon bah, dans 3 minutes, hein! Ah putain, il y a une note ici, j'avais pas vu. Ouais, bah fais la lecture, tiens, ça m'occupera pendant que je descends. Our visitors stayed calm and were under control. This place. Ah putain, bah c'est pas trop tôt, hein. Even if one of the subjects managed to manage this, ah mais ta gueule. Which is highly unlikely. They will soon succumb to the wild forest that surrounds the place. Ouais, on va peut-être pas tenter le saut. En fait, au début du jeu, on se dit, putain, il a l'air super beau. Mais en fait, c'est super moche, hein. Regardez cette coupure hyper mal faite, quoi. Alors, franchement, voilà. En plus, imaginez, si je crève, là, je serais obligé de me retaper les 3 minutes de descente, vu que la sauvegarde est en haut. C'est génial, hein. Bon, dites-moi qu'il y a un truc par là, s'il vous plaît. Et ce bruit de vent est insupportable. Ah, il y a encore une note. Oui, prends. Oxlander has escaped the promise. Reste alone. Et j'entends rien avec le bruit du vent, mec. Hein. Je suis désolé, mais... Find him now. Capture or kill. Order is in effect. Je sais pas où je redescends, là, mais... Y'a rien, là, hein. Il ne peut pas être allowed to escape this area. Oh. Quoi? Oh non, 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 c'est une grosse blague. Non, vous savez quoi? Non. J'arrête là. Le jeu vient de me re-téléporter sur l'escalier, quoi. Donc, voilà, le jeu est bien buggé, comme vous aurez pu le voir. Ça, je vais pas me retaper 3 minutes de descente et tout. Si ça me fait ça que les 5 minutes, c'est pas la peine. Donc voilà, bon, j'espère que vous aurez quand même apprécié que... bah, je vous ai un petit peu fait, on va dire, une vidéo découverte, du coup, parce que je serais pas allé jusqu'au bout de ce jeu. Bon, moi, voilà, vous connaissez mon avis, hein. Je suis désolé du coup de pas continuer, je voulais vraiment faire l'effort de continuer, mais alors là, si c'est bon, si le jeu me téléporte toutes les 5 minutes à un autre endroit, c'est même pas la peine, quoi. Donc voilà. En tout cas, ça avait l'air assez bizarre, on pouvait tâtonner du monstre. Mais bon, ça faisait même pas peur, enfin, c'était assez chelou, quoi. Mais j'aime bien le menu, c'est le bon point du jeu, j'adore la musique du menu, voilà. Non, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais là, pour le coup, mettez-vous à ma place, quoi. J'ai pas envie de me faire téléporter toutes les 5 minutes, quoi. Bon, voilà. Du coup, je vous ferai une dernière vidéo sur un
jeu que je veux vous... Bon, ça sera un épisode aussi, hein. Que je veux vous faire connaître, qui fait extrêmement peur. Que j'ai déjà testé, genre 5 minutes, et j'ai cru que j'allais mourir, donc... je pense que vous allez apprécier la tronche que je vais tirer tout le long dessus. Donc voilà, ça peut être marrant, je pense. Et après, bah, je pense qu'on va commencer Penumbra, du coup, le premier, histoire de faire les choses dans l'ordre. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient, évidemment. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter ce let's play, à me dire à quel point... oui, il est buggé. Me partager donc vos impressions, etc. Donc, me dire pour Penumbra si ça vous va bien. Et continuez à me proposer n'importe quoi, des jeux, etc. et tout, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. À quoi ce petit sang fond, ça? J'ai très peur. Le roux. Ah, je vois à travers le mur, je crois. Vision? Vision, Miguel! Je vois rien. Voilà. Je vois pas ce que devant moi. Putain, il a oh bordel! Marc! Oh, je sais pas ce que c'est, mais je cours!